ce truc enregistre. Si vous tombez sur cet enregistrement, c'est que je suis probablement mort. Mais je me devais de vous prévenir. Il faut que tout le monde sache. Bon, voilà. Tout d'abord, je vais me présenter. Vince. Vince Tomawak. C'est mon nom. Je suis un écrivain. Je ne dirais pas que je sois un écrivain de talent, mais j'ai tout de même pondu quelques semi-best-sellers. Ce qui n'est pas rien. Récemment, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, écrire autre chose. Je me suis donc orienté vers un récit qui n'est pas sans rappeler une œuvre de H.P. Lovecraft. Paix à son âme, il avait du talent. Je carbure actuellement à la caféine et aux boissons énergisantes, ainsi qu'aux cigarettes. Maintenant, je vais vous parler de ma femme, Wanda. Wanda est une très belle femme. Je me demande d'ailleurs comment elle a fait pour tomber amoureuse d'un gars comme moi. Simple et banal. Mais cette fleur si belle, si tendre, si douce et fragile, elle a toujours eu la santé fragile et elle est très malade et affaiblie. Mais quelques semi-best-sellers m'ont permis de payer les factures et d'avoir une certaine notoriété. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Quel rapport y a-t-il? Eh bien, sachez d'abord que je ne suis pas fou. Certes, je souffre de quelques insomnies, à vrai dire. Entre les factures qui s'amoncellent, ma tendre moitié très malade, cela n'aide pas. J'ai caché plusieurs enregistreurs numériques comme celui-ci. Chacun ont une étiquette avec un chiffre. C'est tout simplement l'ordre dans lequel il faut écouter. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement là. Je crois qu'elle arrive. Je l'entends. Un, deux. C'est bon, oui, ça enregistre. Félicitations, vous avez trouvé le premier enregistreur. Enfin, si vous êtes tombé sur celui-ci, officiellement, c'est pas le premier, c'est le second, mais je veux dire par là que celui que j'avais sur mon cadavre n'était que l'enregistreur d'introduction. Je vous dirai où trouver les autres. Alors voilà, mon roman s'intitule La Rose Noire. Je sais que vous allez vous dire que cela n'a aucun sens et aucun intérêt que je vous dise tout cela, mais... je me devais de vous prévenir, comme je l'ai dit précédemment. Il s'agit d'une œuvre d'horreur et un peu fantastique. Comme j'ai dit précédemment dans l'enregistreur d'introduction, un peu à la Lovecraft. Là, dans La Rose Noire, le scénario met en scène une secte appelée la secte de la Rose Sanglante. Et leur objectif est de faire réincarner une déesse, la déesse grecque, Nyx, déesse de la nuit et des ténèbres. Malheureusement... cette déesse est tantôt gentille, tantôt maléfique. Là, dans cette œuvre, elle est totalement maléfique. Et elle a offert une arme redoutable à ses disciples, tout simplement. Il s'agit de petites graines qui donnent naissance à des roses, des roses noires. Voilà. Je sais que vous allez trouver ça absurde, mais ne sous-estimez surtout pas les roses noires. J'en ai fait les frais, ça fait extrêmement mal, et c'est extrêmement puissant. Voilà. En fait, ce qui se passe depuis quelque temps et ce qui me cause des insomnies, outre les factures et le manque de best-sellers, c'est tout simplement le fait que quand je m'endors le soir, ben, je vis mon roman. Vraiment. Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est sûr. Tu es un peu trop dans ton roman, tu es un peu trop dans ton projet et forcément tu vas vivre cette aventure toutes les nuits. Mais ce qui est impressionnant, c'est que non seulement je vis cette aventure, mais en plus, je fais des rêves lucides. C'est-à-dire que je vis l'aventure du point de vue de mon personnage, un détective privé, mais sauf que il n'a pas exactement le même comportement que le personnage devrait avoir, puisque au final, le détective privé, c'est moi. Je sais, ça peut sembler absurde, et vous ne le croirez absolument pas. De toute façon, vous allez juste trouver un cadavre, vous allez juste vouloir faire une autopsie, et le temps que vous vous organisez à faire l'autopsie, il sera probablement trop tard, et mon cadavre aura probablement disparu. Voilà. Donc sans plus attendre, je ne vais pas vous retenir plus que ça, Je vais vous dire tout dans le prochain enregistrement. Je préfère disséminer et éparpiller, si vous préférez, aux quatre coins de la maison, bien cacher les différents enregistreurs numériques afin d'éviter que cette chose, cette créature, récupère tous les enregistrements et les détruise. Il faut que le monde sache. C'est très important, vraiment. Oh merde, elle m'a encore retrouvé, fait chier. Bon, je vais cacher cet enregistreur. Bon, celui-ci, si vous le trouvez, c'était sous le frigo. Maintenant, le prochain, si vous le cherchez, c'est sous le lit conjugal. Entre deux lattes. Voilà. Bonne chance. Je me suis endormi, comme d'habitude. J'avais toujours de plus en plus de mal à rejoindre ma femme. Elle allait se coucher toujours en premier, car je supportais de moins en moins de la voir dans cet état de santé si critique. Bref, j'ai quand même fini par succomber au sommeil et finir par la rejoindre. Et le rêve s'est déroulé comme suit. Au début, je me retrouve devant le manoir familial de mon beau-père. Il a toujours été assez fortuné, comme ma bien-aimée, et supportait très mal le fait que je lui ai pris son trésor, et que je me sois marié avec. Ma belle-mère, ça va plus ou moins. J'entre dans le manoir, mais je ne reconnaissais rien. Tout semblait différent. En fait, c'était un mélange entre ce que je connaissais dans la vraie vie et le manoir de Von Dugraff, un des protagonistes de mon roman. Quand je me suis approché des escaliers, j'ai entendu ma femme à l'étage. Alors, je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai donc escaladé les marches une à une, pour trouver au bout une porte entr'ouverte, dont j'entendais, en plus de la voix de ma femme, une discussion. Il s'agissait du médecin traitant de ma femme et de ma belle-mère. Quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont fait signe de m'approcher, et m'ont dit que ma femme avait besoin de moi. Wanda me tournait le dos, et ne disait rien, mais je me suis tout de même approché. Sa peau semblait froide comme la mort, et elle avait le regard vague, ne répondant quasi pas à mes questions. Le docteur a fini par me dire que mon beau-père me sollicitait dans son salon privé. J'ai dégluti difficilement avant d'acquiescer et de m'y rendre. Il avait dans la main droite un gros cigare. Chose étrange, il ne fumait jamais. Seul le conte de mon roman en fumait. En revanche, le verre de whisky dans la main gauche, ça c'était lui tout craché. Il m'a fusillé du regard, comme on pouvait s'y attendre. Il ne m'appréciait pas et semblait me reprocher la maladie de sa fille bien-aimée. Fin merde quoi, je n'y suis pour rien. Il m'a sèchement ordonné d'aller me rendre utile dans le village et d'aller chercher chez l'apothicaire des herbes médicinales. Le docteur lui avait sans doute trouvé un remède adapté pour sa fille chérie. Il est à noter que mon roman se déroule à une époque antérieure à la nôtre, donc pas d'enregistreur numérique, pas de téléphone portable, etc. C'était très troublant ce mélange de deux réalités. Et j'ai tout de même accepté, et je m'en suis retourné vers l'extérieur. Sans trop savoir comment, je me suis retrouvé là, comme bien souvent dans un rêve. J'étais sur une route sableuse et caillouteuse, entouré d'un pseudo-bois menant au village. Arrivé face à celui-ci, il semblait davantage à un mélange entre un village de Far West et un village médiéval. Les technologies de l'après-guerre mondiale en plus. Je cherchais l'apothicaire, mais cela n'avait aucun sens. Et puis j'étais en rêve lucide, donc je pouvais faire ce que je voulais. Je me suis donc dirigé vers le saloon. À l'intérieur, le barman ressemblait à mon éditeur, Monsieur Edward Ombre-Lune. Ma femme était assise à une table à côté d'une ancienne amie de lycée. Quand toutes les deux m'ont vu entrer, elles m'ont fait un grand sourire et fit signe de les rejoindre. J'étais aux anges. Ma douce moitié semblait absolument guérie et pas malade. Cependant, les heures semblaient défiler trop vite. Et en fin d'après-midi, il est entré, lui, un membre de la secte de la Rose Sanglante. Il vantait la puissance et les mérites de sa religion, et de la déesse Nyx, et enjoignait les gens du village à les rejoindre. Bien entendu, si certains étaient emballés, d'autres ne l'étaient pas. Mais il finit par se faire rejeter et partir. Je décidai donc de le suivre discrètement. De toute façon, en me retournant, ma femme n'était plus là, ni mon ami de lycée. C'est arrivé au beau milieu de la forêt que le membre de la secte qui ne m'avait jusqu'alors pas remarqué se dirigea vers un cromlech et en activa un mécanisme secret. Sur l'une des pierres, dévoilant un passage caché qu'il emprunta. En me rapprochant, j'eus juste le temps de me faufiler à l'intérieur avant que le passage secret ne se referme. Afin de ne pas me faire remarquer, j'ai tout de suite pensé au fait d'être dans un rêve lucide, et je me suis imaginé porter un de ces costumes de secte, à savoir un masque et une pseudo-tenue à capuche comme certains membres. Je descendais les marches lentement, guidé par les échos de nombreuses voix. Puis, comme d'habitude, sans trop savoir comment, je me suis retrouvé dans un décor totalement différent. J'étais dans un immense temple souterrain, à l'effigie de Nyx, les armoiries de la secte en plus. Ces armoiries ressemblent à une lune, avec en dessous un bouton de rose, ne possédant pas de tige, mais d'innombrables racines faites de ronces, sur lesquelles sont accrochés les symboles représentant le sexe masculin et le sexe féminin, le symbole de l'accouplement homme-femme aussi, ainsi que l'accouplement femme avec femme et homme avec homme. Le centre de la pièce, immense, était inondé de pétales de rose rouge, et de l'encens de rose brûlé abondamment. Tout autour, vers le centre, il y avait 5 autels de pierre, avec d'étranges runes. Le genre d'autel de cérémonie sacrificielle. Et merde. Je savais à quel moment de mon récit je me situais. Sur les autels, il y avait 5 femmes, masquées et tatouées sur les cuisses et les bras, portant un pagne taillé en pointe, cachant à peine leur partie génitale, et un ruban enserrant à peine leur poitrine. Sinon, ces femmes étaient d'ores et déjà entièrement nues, sans ces quelques bouts de tissu. Il y avait une multitude de membres, certains sortant tout droit de mon livre, d'autres, de ce que j'arrivais à percevoir de la corpulence et de la forme du visage, bien que cachés par des masques, semblaient venir de mon monde. Un homme, massif, encapuchonné d'une tenue bleu nuit et d'un masque différent des autres, a alors pris la parole, sa voix étant extrêmement grave. Merde, c'est le maître de secte, c'est vrai. Mes frères! Mes sœurs, aujourd'hui, vous avez attendu avec patience. Vous avez vénéré la plus puissante de toutes les déesses, Nyx, déesse des nuits éternelles, déesse de l'obscurité et de la fertilité. Maintenant, afin de préparer son grand retour, avec moi, mes frères, mes sœurs, récitons ensemble le psaume, l'oration pour Nyx, afin de bénir les graines de son triomphe. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que le prêtre commença à réciter les psaumes. D'abord lui, puis les membres qui répétaient en chœur et en écho. Nyx, in noctem fuxit in tenebris, sito palium tum tenebres. Lunam, estelas quas tuloa waleba, genua ora. Nyx, pulcherima finirarum, sancti flores, alba rosa, in rosea, rufu, labia tua. Filis, tuis, in humilitat, purgatus, extinguit, nos, longa simuina, quae, triunfo. Nigrum et lunacum sublimire, nitrata luceat vos interis numen inter mortal Infideliz. Quand ils eurent fini leurs incantations et leurs prières, les petites graines qui étaient disséminées tout autour de la pièce, petites et dorées, se mirent à pulser, à battre, comme de petits cœurs. C'est à ce moment précis que tous les membres de la secte se mirent à se déshabiller et à faire l'amour entre eux. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, parfois des hommes et des femmes, et parfois un mélange d'un peu tout ça. Bref, une orgie qui aurait pu être érotique et intéressante s'il ne s'agissait pas d'une secte. Certaines personnes pratiquaient des actes innommables, d'autres étaient plus romantiques. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, c'était les femmes qui étaient couchées sur les autels sacrificiels. À tour de rôle, on leur faisait l'amour, de manière plus ou moins douce, parfois même très violente. Que ce soit des hommes ou des femmes, les partenaires s'enchaînaient sur ces pauvres femmes qui commençaient à s'épuiser petit à petit. Mais ce qui me mit hors de moi et me dégoûta, ce fut que l'une d'elles, je n'avais pas tilté sur le coup, mais l'une d'elles, voire même deux d'entre elles, je les connaissais. L'une était mon amie de lycée, qui était en train d'embrasser ma femme. Ma femme qui se trouvait à la place où aurait dû être une petite fille dans mon roman. Tandis que le prêtre était en train de la pénétrer violemment. Je ne pus retenir un hurlement de terreur et de dégoût. Et c'est alors que le prêtre ordonna que l'on m'arrête. Je me fis passer à tabac et tabasser. Et ils me maintenirent. Ils me maintenirent forçant à regarder ce spectacle ignoble et atroce, tandis que le prêtre violait ma femme sous mes yeux. Quelle horreur. Enfin, violer était un bien grand mot. Toutes les femmes présentes sur les autels semblaient consentantes. Il en va de même pour ma femme, ce qui me rendait encore plus fou. Je vomissais par terre, essayant de me ressaisir, mais impossible. Le prêtre riait aux éclats. Enfoiré. Enfoiré, t'es qu'un monstre, connard. Attends que je me libère. Attends que je me libère et je vais te tuer. Lâche-la. Les graines commençaient à éclore, faisant apparaître des roses noires. En dessous, aucune tige, mais des ronces. Laissez-moi vous dire que ces ronces ne sont pas totalement naturelles. Non. Imaginez que ce soit du fil barbelé. Vous voyez à quel point c'est tranchant et résistant? Eh ben voilà, c'est ce que sont ces ronces. Certaines femmes se les enfonçaient dans le vagin en se doigtant. D'autres les avalaient lors de fellations. Et il ne fit pas exception des femmes qui étaient sur les autels. Non. Elles, on leur en fit ingérer deux, une par la bouche, une par le vagin. Les germes, ces horribles petits germes de la luxure. Oh, et ai-je oublié de mentionner que les épines de ces roses étaient extrêmement douloureuses. Imaginez par exemple une piqûre de frelon. Voilà la douleur que vous ressentez en vous faisant piquer par ces ronces. Maintenant, imaginez ces ronces sortir de la bouche et des parties génitales des femmes, s'enroulant autour de leurs cuisses et de leurs gorges. Enfin, ça c'était pour les parties non consentantes. En effet, toutes les personnes qui avaient refusé ces horribles graines étaient en train de souffrir atrocement. Celles et ceux qui se les étaient ingérés volontairement souffraient un peu moins. Ils semblaient même être dans un état de transe et d'orgasme, alors que la douleur due au déchirement de leurs muscles et de certaines parties génitales devait normalement faire extrêmement mal. Les personnes qui avaient refusé les graines se transformèrent en créatures un peu spéciales. Je les appelais, pour les femmes, les Amadryas, des genres de dryades maléfiques. Pensez à un Evil Dead. Vous savez, des zombies démoniaques, c'est un peu le même délire. Pour les hommes, c'était des zombies sylvains. Quant à celles et ceux qui avaient accepté les graines, la transformation était différente. Au lieu que les graines ne germent depuis l'extérieur en forçant l'entrée à l'intérieur, elles avaient germé depuis l'intérieur. La seule différence visuelle venait du fait que les ronces semblaient emmêlées pour les personnes consentantes et non emmêlées pour les personnes non consentantes. De ce fait, ma femme, ainsi que toutes les femmes sur les autels qui avaient été consentantes, s'étaient transformées en Nymphadrya, une version plus puissante de ces horreurs. Et Pour les hommes, c'était des Silvarois. Voilà. Pas grande différence, si ce n'est que ceux qui n'étaient pas consentants ressemblaient davantage à des monstres horribles, tandis que ceux qui étaient consentants ressemblaient autant à des monstres, mais avaient un aspect presque divin, hypnotique. Bon, je ne vais pas vous mentir, ces monstres ne sont pas là pour vous faire des bisous. Enfin, pas dans le sens littéraire. En gros, leur objectif est simple, semer d'autres graines en vous. Si vous les acceptez, vous aurez des bonnes transformations. Si vous refusez, vous vous ferez déchiqueter. Voilà en gros à quoi ça sert. Ce sont juste des sbires pour Nyx. Par contre, une des Nymphadrya va devenir Nyx, l'incarnation de Nyx quand celle-ci apparaîtra lors de la pleine lune noire, qui était prévue normalement dans 4 jours. Enfin, je ne savais plus où j'en étais, et j'ai décidé de fuir. J'ai bien fait, j'étais poursuivi par une horde de monstres horribles. L'orgie s'était transformée en un véritable carnage et bain de sang. Au milieu de toute cette cyprine et de toute cette semence, il y avait des gens qui me suppliaient de les aider tandis que des plantes les rongeaient de l'extérieur forçant l'entrée vers l'intérieur. Mais je n'en fis rien. Tout ce que je pensais, c'était m'échapper. En fait, j'avais presque oublié que j'étais dans un rêve. Et c'est arrivé au bord du ravin que j'ai décidé de sauter pour me réveiller. Après tout, dans un rêve, si on est trop mouillé ou si on a une sensation de chute, on se réveille en sursaut. J'ai donc sauté dans le ravin en priant de toutes mes forces pour me réveiller. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon lit, mais sur le plancher. J'avais dû tomber du lit en même temps que je sautais du ravin. Étrange. J'étais en sueur. J'haletais. Je me suis donc assis sur le bord de mon lit pour reprendre mes esprits. Mais je n'arrivais pas à me retirer l'image horrible des Amadryades et des zombies sylvains. En gros, pour vous situer plus précisément leur apparence... Les Amadryades et les zombies sylvains ont une peau grisonnante. Les zombies sylvains ont des grosses épines de rose qui sortent de certaines parties de leur corps, semblables à des armes. D'ailleurs, ils s'en servent comme des armes. C'est comme des griffes naturelles. Tandis que les Amadryades sont emmêlées dans un mélange de ronces, les transperçant de toutes parts. Mais elles peuvent s'en servir comme un fouet. Les Silvarois ont une couronne en épines de rose qui leur sort de la chair, et ont une peau plus normale, ainsi qu'un regard plus hypnotique et magnétique. Quant aux femmes, les Nymphadrya, c'est à peu près pareil, sauf que des ronces se sont détachées pour former une couronne de rose noire au-dessus de leur tête. Voilà. Après, il y a juste l'apparence de ronces emmêlées pour les différencier. Ces monstres sont capables de reprendre une apparence humaine afin de semer des graines dans le corps de leurs victimes. Le problème étant que les Silvarois et les Nymphadrya peuvent semer des graines de deux façons différentes, soit par accouplement, soit par un baiser. Les autres, les erreurs, les trucs ratés, c'est... En fait, ça dépend tout simplement de où la graine a germé. Si c'est dans la bouche, c'est par un baiser. Si c'est par la partie génitale, c'est par un rapport sexuel. Tout simplement. Je parlais d'Evil Dead. Un Evil Dead est un zombie, ou un possédé si vous préférez, donc qui possède une force colossale. Une force surnaturelle et surhumaine. Maintenant, si je parle de la partie plus divine, les Silvarois et les Nymphadrya, ils ont des pouvoirs en plus, comme rester accrochés sur les murs ou l'éviter. Voilà. En gros, c'est plus dangereux. Tout simplement. Le seul fléau face à ces saloperies, c'est le feu. Si elles se comportaient exactement comme au roman, ça allait. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. C'était juste un cauchemar. Faut que je fasse une pause avec ce roman. Je me suis retourné alors que ma femme était haletante. Elle transpirait, la pauvre. Elle semblait avoir le sommeil agité, et effectivement, elle transpirait abondamment. Elle gémissait des mots incompréhensibles. Voire même, elle semblait presque onduler légèrement, comme si on lui faisait l'amour. Non, ça va pas, je perds la tête. C'est ça, je suis en train de devenir fou, c'est juste un cauchemar. Il faut que j'aille me chercher un verre d'eau, ça ira mieux. Je suis parti sans bruit, essayant de pas réveiller ma femme. Ah, tout va bien. Au moment où j'allais atteindre la porte de sortie de la chambre, j'ai entendu un horrible bruit de chair. Quand je me suis retourné, ma femme s'était redressée. Elle minaudait d'une voix douce que je l'avais réveillée. Je m'en excusais, et j'allais m'approcher vers elle pour l'embrasser et la recoucher, Quand des ronces... Oh non. Des ronces. Une couronne de ronces. En fait, elle avait exactement la même apparence que dans mon cauchemar. Elle s'est mise à léviter au-dessus du sol, au-dessus du lit, et s'approchait comme un fantôme lentement de moi. De longues ronces pendaient de ses bras. Elle s'en servait comme des fouets. Elle disait qu'elle me désirait, qu'elle voulait me faire l'amour. J'étais subjugué par tant de beauté, mais je me suis vite ressaisi. Après tout, c'est moi qui ai créé ces monstres et je sais exactement comment ils fonctionnent. Tout en eux n'est que vampirisme et mutation forcée. Les roses ne vous tuent pas vraiment, vous êtes ni vivant ni mort. Mais elles fonctionnent comme des symbiotes. Elles vous renforcent en échange d'un peu de votre sang. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous accoupler. Il faut que je fuis. Il faut que je fuis. Alors qu'elle s'approchait de moi, claquant de ses horribles fouets, je m'en pris un au visage. Dieu que ça fait mal! Ça pique! Ah! Wanda, c'est moi! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah! Non! Je veux pas! Ah. Je suis parti en boitant et en ruisselant de sang. Mon Dieu, mais c'était très tranchant et très douloureux. Ah! C'est alors que j'ai eu l'idée des enregistreurs numériques. Je ralentissais le plus possible la course-poursuite. Wanda me rattrapait toujours de toute façon. Mais elle semblait se déplacer lentement, comme me sachant pris au piège. Alors c'est pour ça que j'en ai profité pour faire des enregistrements numériques. Ce truc enregistre. Si vous tombez sur cet enregistrement, c'est que je suis probablement mort. Mais je me devais de vous prévenir. Il faut que tout le monde sache. Bon, voilà. Tout d'abord, je vais me présenter. Vince. Présenté, Vince. Vince Tomawak. C'est mon nom. Je suis un écrivain. Je ne dirais pas que je sois un écrivain de talent, mais j'ai tout de même pondu quelques semi-best-sellers. Ce qui n'est pas rien. Récemment, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, écrire autre chose.